gain officiellement dans Coupe du Monde. L'élimination, il gagne. Claude m'a dit, Enzora, pourquoi tu ne sors pas un joueur, un milieu offensif pour faire rentrer un autre attaquant? Parce que la personne que tu fais rentrer déjà, la personne est en doute. On peut dire sur les filles, je voulais remonter le moral, mais on ne le veuille pas. Quand tu es en doute, tu es. Non, nous n'avons pas les doutes, mais parce que je suis un attaquant, je sais ce que c'est de douter. J'ai fait 5 ou 6 matchs en sélection sans marquer de but. Donc, à Mnan Kebenia. Mais tu ne peux pas faire sortir un Dinké, Kevin Dinké aujourd'hui, pour faire rentrer un Fodo là-bas. Tu fais sortir un Bebou et tu fais rentrer Fodo là-bas. Comme ça, les deux vont jouer ensemble devant. Comme ça, on peut peut-être revenir au score 1-1 et peut-être gagner le match 2-1. Maintenant, tu perds 1-0, tu fais un changement poste pour poste. Ça sert à quoi? Quand tu perds un match, parce que voilà pourquoi je vous dis, j'ai eu la chance de jouer avec les meilleurs entraîneurs au monde. Mancini, Mourinho, Arsène Wenger, Didier Deschamps, et Marc Hughes, Harry Redknapp, Stéphane Keshi, ainsi de suite. Maintenant, Amoko Wenyé, ancien joueur que les bandes, ils ne pourront pas lui parler là-bas. Vous perdez 1-0. Si le score reste ainsi, on est éliminé pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire sortir un milieu offensif, faire rentrer un attaquant. Comme ça, tu as deux attaquants, deux joueurs sur le terrain qui peuvent te marquer des buts. En sachant très bien qu'un attaquant est en doute. Oui, nous qui aimons les bons, il y a mon groupe, il y a mon groupe, il y a mon sélection, changement, il y a sélection. Sur le terrain, changement, il y a mon groupe pour attaquer le capitaine, changement, il y a mon groupe. Même nous, accompagnés, tu as le suivi, c'était mon lac, il y a rien. Changement, il y a mon groupe, mais où? Soit, il faut de la balle avec Kevin Dinké, voyez, il y a mon groupe, Kevin Dinké, tout le tour, il y a mon groupe. J'arrive pas comment il n'arrive pas à faire des changements. Mais tu es où on a changé? Kevin Dinké, il n'a pas. Kevin Dinké, il n'a pas été bon contre le Soudan. Mais il n'a pas été mauvais non plus. Il a été homme de lui-même. Fixe la deuxième, c'est un attaquant, tu sais très bien qu'il peut te marquer dans n'importe quelle situation. Donc garde-le sur le terrain. Il n'y a que lui qui peut te faire. Neyekudo, faut de là-bas, on le toit, mais faut de là-bas pour le dévier un ballon. On sait que dans la surface, c'est un tueur. Il y a aujourd'hui le Togo, on n'a que. Malheureusement, vrai, on n'a que Kevin Dinké. Il y a Kevin Dinké, il sort de la meilleure saison de sa vie. Ah, mais où? Ken Bosso, Ken Dag est 28, le champion d'Angleterre, mais ma tête a grossi, au fait. C'est ça qu'on appelle la confiance. Ouais, parce que nous, l'enfant, tout est facile. Hein. Exactement. Fifia, tu attends seulement le déclic. Contre Soudan, bon, il a voulu essayer de faire le show et tout ça. Amoro d'abonner les réseaux sociaux, dit vidé. Je pense que c'est un grand garçon. Je pense qu'il a vu tout ça. Et Béa, il a provoqué. Il a nous concentré. Il était un peu lourd au même moment, un peu plus devant le but que contre le Soudan. Ok, Fifia, oh, il m'y tient quoi? À la mi-temps, Mideto. Maintenant, il y a un problème à l'air, mais où? Au détenteur, lui, il décide qu'il vient de Kenyuré. Et là, toi, Jibibi, maintenant, tu as obligé. Un photo là-bas. Il y a un autre photo là-bas qui est à mon palais Zundaré avant. Bon, non, il n'a pas été bon. Donc, lui, reste toujours dans le doute. Maintenant, tu as un autre attaquant titulaire, ton meilleur buteur, qui se fâche. Maintenant, prochaine séance, Alik Ndiaoro. Au matin, le joueur le plus en forme du moment de la sélection tôt à la mi-temps d'un match au Essia ou des Monts. Point. Allô, les blessés. Ah, un mois, ça me tournerait. N'y a pas de tomber le toit, n'y a pas de tacle, n'y a pas de tuyau. Voilà, Parce que il n'y a qu'au bluffier.
Et n'y a qu'au boulot, on va coaching one-on-one, il y a au boulot, il y a un